Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Azat, de Ramdan et de Younes derrière la caméra. Aujourd'hui on a une opportunité de malade mental. On va pouvoir tester en avant-première la nouvelle crampon Phantom GX. La Phantom GX elle est comme ça. Elle est en mode bleu ciel, en mode avec un truc ici qui agrippe. Franchement ça a l'air incroyable. Déjà en termes de design, vous en pensez quoi les gars en vrai? Moi j'aimais les couleurs, franchement elles sont cool. En vrai la couleur elle est incroyable, elle est trop. Moi j'aimais le rose qu'il y a sur les crampons pour ouais, bleu ciel et rose, ça a sorti bien. Après il y a une matière ici qui accroche, donc ça je sais pas ça correspond à quoi. On va tester ça au niveau des frappes, au niveau des contrôles, etc. Et on va vous donner notre avis. C'est parti. Pour le premier exercice, on va tester les crampons en profondeur. On va enchaîner plusieurs exercices. Il va y avoir un penalty, une frappe à 25 mètres et deux touches d'affilée. Et on va voir ce qu'on en pense tout de suite. C'est parti. Allez, gardien, on compte sur toi. Oh, recopieur de technique. C'est trop cheaté. Non, tu recommences. C'est ma technique. Ça, c'est ma technique. Tu recommences. Il a pas le droit, c'est ma technique, ça. Bon, pour ce tour, on va essayer de prendre un risque, on va essayer d'essayer de viser que des beaux trucs, tu vois, des trucs risqués. Des top buts, quoi. Bien joué le penalty. Ouh, il est méchant. Je tire de là. Oui, gardien. Oh, l'arrêt du gardien, incroyable! J'ai l'impression de tirer avec mon pied. C'est-à-dire, vous allez me dire, mais t'es un ouf, tu tires avec ton pied. Mais non, mais genre en mode, j'ai l'impression d'être pieds nus. Genre, c'est tellement léger, tellement souple au niveau de la semelle qu'on dirait que, genre, on n'a rien par-dessus. C'est incroyable, vraiment. Sensation de ouf. Moi, penalty, je vais pas faire ta technique vu que tu l'as déjà faite. Je vais essayer de tirer. Je suis pas en force, que je l'aime bien, c'est mon ami, mais une bonne précision. Quand... Allez, c'est parti. Ah, le même penalty qu'Harry Kane quand il a marqué. Il a raté, frère, sale fou. Non, il en a mis, hein. Il en a raté. Ok, vas-y, bon, on va voir. Quand tu veux. Ok, ça passe. 1-0. 1-0 pour le joueur brésilien. De toute façon, c'est qu'on dirait qu'on est pieds nus. Oh, ça rentre. Barre entrante pour le joueur brésilien. Ok, contrôle. Incroyable. Oh là 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 là, c'est un 4 mal, sur 4. Hein. Attends, je vais voir la 5. Ok, il veut faire une 5. Ok. Non mais ça y est toi, va signer en Ligue 2, casse-nous pas la tête. Je vais y aller en Ligue 2, je vais y aller. Oh, t'as cassé la barre. Dans cette chaîne, c'est d'aller tu mets que la barre. Tu mets que la barre. C'est dinguerie. Tu l'as cassé la barre. Vas-y, va faire ta frappe. Oh là 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 là. Je crois que les gars, ces crampons sont faits pour la précision. C'est un truc de ouf. T'as troué les filets, bonhomme. Qu'est-ce que... Oh là là, Ramdan. Attends, on va aller voir. Regardez les gars, il a troué le filet carrément. Le gardien, il était dessus. Je la touche, des bouts des doigts. Regardez. Il troue le filet. Ok, deuxième circuit, donc cette fois-ci, on va partir sur un autre enchaînement de frappe. Une balle qui arrive, on se retourne en contrôlant, on frappe. Frappe à 25 comme d'habitude. Un petit deux touches. Et on va voir qui aura le plus de buts encore une fois, c'est parti. C'est parti. Oh là là. Incroyable. Oh, le goal. Incroyable. Comment il sort ça, frère? Eh, t'es trop fort, gardien, je t'aime. Non, après j'étais excentré sur le côté. Mais incroyable ce qu'il a sorti, frère. Magnifique. Vamos. Tu vois, Simer. Ça marche comme à tous les poteaux. Oh, c'est bien, moi tu penses à tout le monde. Ça veut dire mettre des frappes à 25 mètres. Ok. Ouh. J'aime bien ces crocs. Je crois que je vais les garder. J'aime bien. Ouais, on dirait que c'est des crampons de buteur. C'est un truc d'ouf. Les frappes, c'est aux petits oignons. Oh lolo, trajectoire sortante, rentrante, incroyable.
Oh lo 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 lo. Oh lo lo, assassin. Assassin. Désolé. Assassin. Est-ce que c'est les mèches blondes de Cristiano Ronaldo Prime? Ah, il y a les mèches là? Ouais. Oh lo lo. Regarde ces mèches blondes de Cristiano Ronaldo Prime. Merci. Incroyable. Oh, oh. Back to back. Rien, back to back. Si vous comptez le nombre de barres que j'ai mis depuis tout à l'heure, c'est pas incroyable. Non, c'est pas incroyable. Tu tires de quelle partie du pied quand tu tires comme ça? De là. Hein? De là. De où? Oh là 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 là, incroyable. Et du coup, attends, j'en reviens à tout à l'heure. Quand tu tires comme ça, tu tires de quelle partie du pied, Ramdan? De là, là. Ici. Genre, c'est un enroulé coup du pied en gros. Du pied enroulé un peu. Comme ça, ça met de la puissance et en même temps. Ok, c'est incroyable. Notre avis, donc moi je commence, personnellement j'ai l'impression de tirer avec mon pied sans crampon. C'est-à-dire qu'en fait on a une telle légèreté qu'on dirait que t'es pas lourd, tu vois. Tu tires avec ton... genre tu tires vraiment avec ton pied. C'est-à-dire si t'es... excusez-moi de vous dire ça, hein. Si t'as pas... t'es nul, t'as une mauvaise frappe, t'auras une mauvaise frappe. Si t'es une bonne frappe, tu peux tout exploiter ta frappe. C'est incroyable, vous avez pensé quoi? Elles sont vraiment légères. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour les pieds larges, il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois, c'est ok. Moi j'ai les pieds très larges. Au niveau du confort, elles sont magnifiques, j'ai pas de douleur, pas de cloque, pas d'ampoule. Dès la première fois, c'est incroyable. Ouais, et toi t'en as pensé quoi? Moi ma vie culesse, hein. D'habitude les nouvelles crampons, en vrai t'as mal au début. Ouais. On va se mentir. Mais ça va là, franchement, j'ai pas mal du tout. Et après aussi, petite dernière chose, sur les contrôles, quand on a fait un exercice avec des contrôles à un moment, j'ai eu l'impression que mon contrôle il accrochait au niveau de la paire. C'est-à-dire que quand je fais mon contrôle pour me retourner, tu vois, ça glisse pas sur la paire, ça accroche et ça t'aide beaucoup plus. Alors, pour le contrôle quand il pleut pas. Oh, quand tu t'es... oh, ouais, et en plus là, c'est bien le remarquer, c'est qu'il pleut. Là, il pleut et ça a accroché quand même. Donc, franchement, il pleut c'est pas, incroyable. Oh là là. Il y a la glu. Bon, en tout cas, nous on va vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller en description, il y a le lien de la paire si vous voulez vous la procurer. Nous on vous laisse là. Abonnez-vous, likez. Ciao!